Adrien Mélian, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, ravi d'être avec vous. Vous êtes le CEO et cofondateur de Livdeo. Qu'est-ce que c'est Livdeo ? Ah oui, Livdeo, c'est la société que nous avons créée il y a 6 ans qui a une mission et qui est celle de partir et de donner des solutions, d'apporter des solutions pour la culture, l'inclusion de tous les publics, pour l'accès à l'art, quel que soit l'endroit où ils vivent, quelle que soit la communauté, le handicap. Ah, et ça se traduit comment alors ? Alors Livdeo, en effet, propose des solutions digitales, numériques, pour les établissements culturels, mais également pour les visiteurs de ces établissements culturels. Une fois qu'on est sur place ou de chez soi ? Et les deux. Lorsqu'on est sur place, en effet, nous avons tout à fait une situation particulière. Et lorsqu'on est chez soi, eh bien, c'est toute une autre approche et avec un nouveau produit dont on parlera dans quelques instants. Comment vous est venue cette idée ? Vous êtes plusieurs ? Vous êtes... Oui, nous sommes deux fondateurs à la base et une équipe de 11 personnes aujourd'hui. Et en effet, l'idée, c'était toutes les contraintes particulièrement importantes pour les publics lorsqu'ils souhaitent avoir une narration, accès à une narration qui leur soit hyper personnalisée par rapport à leur langue, handicap, niveau de compréhension, axe socioculturel, etc. Et alors, comment vous avez développé votre business model ? Très intéressant. En effet, Livdeo a 80% des projets plutôt en France. Oui. Et donc, en effet, la culture, les musées en France, on est souvent avec des appels d'offres. Oui. Eh bien, nous avons essayé de construire en parallèle justement une offre qui est beaucoup plus tournée vers le modèle SaaS et avec laquelle nous sommes présents particulièrement aujourd'hui en Australie, aux États-Unis et sur plusieurs établissements aux États-Unis. Comment votre offre a-t-elle été accueillie ? Ou est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus réceptifs et d'autres plus réticents ? Qu'est-ce que vous observez ? Oui, en effet, c'est une offre qui a des particularités, du moins le marché est tout à fait particulier entre l'Europe et les États-Unis et l'Australie, par exemple, mais encore en Europe, entre la France et d'autres pays. Mmh. On voit bien la relation que la France a avec la culture, avec le ministère de la Culture, par ailleurs, que je salue. En effet, il y a toute une approche différente, en effet, en fonction des pays. Quels sont vos rêves, là ? Nos rêves, c'est faire en sorte que l'ensemble des publics, où qu'ils soient, où qu'ils habitent, aient accès aux plus belles expositions de tous les musées. De les vivre là où ils habitent, car demain matin, vous et moi, nous n'irons pas au Met, à New York, pour voir la dernière exposition en cours. Et si cette exposition venait chez nous, pour la vivre tous ensemble dans notre quartier, dans notre lieu de vie. Donc c'est même une source d'ouverture pour les enfants du monde entier. Exactement, pour les enfants et pour les enfants grands, c'est-à-dire nous-mêmes. Et c'est le sens de Feel the Art, qui est cette application, solution, réseau social autour de l'art, qui est le premier né en France, le réseau social de l'art, Feel the Art. Les obstacles ? En effet, le développement à l'international, ce ne sont pas vraiment des obstacles. C'est parce que nous avons la chance d'être bien accompagnés. Donc je mettrai plutôt en lumière les atouts des entreprises françaises. En effet, il y en a des obstacles, mais les atouts sont encore plus puissants. Et je remercierai jamais assez justement la démarche dans laquelle nous avons été accompagnés par BPI, par différents partenaires justement, dans cette volonté d'aller vers l'international comme Business France par exemple. Merci infiniment, Cyprien. Merci de vos questions et ravi d'avoir répondu. Merci à vous.